Belle. Belle. Je suis la tante du personnage de Serge, du personnage masculin principal. Nous sommes deux tantes. Je suis une des deux tantes. Et donc apparemment, elles sont un peu les directrices de cette boîte de pub. Elles sont un peu tout en haut, mais elles sont en même temps mannequins, donc elles participent au shooting. Elles ont un rôle comme ça qui est assez... sont assez omnipotentes, on dirait, mais en même temps, c'est quand même lui l'artiste, donc elles le respectent, elles l'adorent. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ça me fait penser un peu aux marraines de la marraine de Cendrillon. Il y a quelque chose comme ça, ça me fait aussi penser à Delphine Seyrig dans Podane ou ce genre de personne. Pour moi, c'est quand j'avais lu quand Emmanuel m'avait proposé le rôle et que j'avais lu le texte, ça m'a tout de suite fait penser à ça. Et puis, il y a une chose qui est très drôle à jouer aussi, et c'est très amusant à faire, c'est qu'on a une vraie gémellité, c'est-à-dire que même si on se ressemble pas du tout dans la vie, mais on est absolument habillés pareil. On est un peu comme les Dupont et Dupont, c'est-à-dire qu'on dit un truc, l'autre dit exactement la même chose, mais dans un autre sens, etc. Tu n'as rien remarqué ? Si. Moi aussi. On est une sorte, moi j'aime bien penser au monstre à deux têtes. J'aime bien aussi m'imaginer que c'est un couple. Elles sont amoureuses l'une de l'autre, elles sont amoureuses de l'image de l'autre, qui renvoie la leur, enfin voilà, c'est cette histoire toujours de l'image, du dédoublement. Le petit devient bizarre. Bizarre? N'exagérons rien. Mais il est complètement fou. On dit qu'il est amoureux. On dit même qu'il aime quelqu'un. Il y a le positif et le négatif. Moi, mon personnage, qu'on a fait beaucoup parler en anglais, elle est plutôt comme ça, très douce, very darling, darling, everything's fine. Et le personnage de Flo, elle a attiré un peu plus vers celle qui râle. Mais en même temps, c'est comme les deux faces d'une même pièce. J'ai donné la pilule. And I also gave him the red one and every fucking pill I could find. C'est un truc pas possible, on se change je sais pas combien de fois, on a au moins 6 tenues et à chaque fois les chaussures changent, voire les dessous et tout ça. Donc c'est une sacrée mise en place. T'entends, t'as-t-elle dit de quoi il s'agissait, Serge? Non, ma tante, ne bouge pas. Apportez-moi une absinthe, je vous prie, avec un sucre, s'il vous plaît. Apportez-moi un sucre, s'il vous plaît, avec une absinthe. Cigarette. Regarde-moi. Ne te cache pas. Tchac ! Il y a un vrai parti pris sur les costumes, une vraie vision, quoi. Et sa vision nous a aidé à construire aussi le personnage. Comme ça, c'est le processus artistique qui se met en place sous vos yeux éblouis.